Chef Tony. Mon frère. Merci de nous accepter dans ta maison. On dit que le crapaud ne se fait pas voir dans l'après-midi pour rien. Oui, vous avez raison. Mon jeune neveu que voici, Bright, m'a dit qu'il a vu une fleur dans ton jardin. Et il aimerait bien la cueillir et la garder pour lui. Merci, tu es le bienvenu, mon frère. Merci infiniment. Moi aussi, j'apprécie le vin. Mais éclairez-moi un peu. Ai-je un jardin dans cette maison? Parce que je ne comprends pas. Ai-je une fleur dans cette maison que vous voulez cueillir? Vous comprenez? Ah, ok, ok. Bright est tombé amoureux de ta fille. Et aimerait vous demander sa main en mariage. Oui. Voyez-vous, je connais Bright depuis son enfance. Hein? C'est un jeune homme vraiment responsable et très très ambitieux. Et je suis content de l'accompagner dans ce voyage. Là, je comprends. Parce que c'est une bonne chose. Ouais. Vous avez bien fait, mon frère. Vous avez bien fait. Je pense que ma fille est à la maison. Nous allons l'appeler afin d'écouter ce qu'elle dit. Vous savez, exactement. Les histoires de mariage. Vous comprenez, chérie? Je pense qu'elle est dans la chambre. Appelle-la pour moi. Tu as vu, tout se passera bien. D'accord. Yeah. Bright. Merci, monsieur. C'est mon fiston. Pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent pas se non. marier. C'est vraiment bien. Merci. Je suis sûr d'une chose, c'est que ma fille sera entre de bonnes mains. C'est très bien, sois le bienvenu. Bright, il faut boire ton vin. Merci, monsieur. Oui, bien sûr. Où est-elle? Elle arrive. Ok. C'est elle. Oui. Ego, ego. Oui, papa. Ma superbe fille. Connais-tu ce jeune homme? Oui, papa. Il est venu avec son oncle pour les formalités traditionnelles du mariage. Bright, que voici, veut demander ta main en mariage. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Je ne suis pas intéressée. Papa. Bright. Ça voulait dire quoi, ça? Hein? Quelle est la signification de quoi? Maman, j'ai simplement dit que j'avais besoin de passer plus de temps... Des excuses! Tout le temps, tu trouves excuse sur excuse pour chasser tes prétendants. Hein? Donc, quand tu dis ne pas le connaître assez, ce n'est qu'une excuse. Maman, s'il te plaît, j'ai eu une dure journée. Continue à faire la belle. Tu fais le tri maintenant parce que tu penses avoir une peau douce et un visage frais. Très bientôt, les rides vont apparaître sur ton visage. Et comme ta face aura des rides, c'est comme ça aussi que tes yeux auront des rides. Chaque fois qu'un spermatozoïde entrera, quand tu te marieras à 100 ans, quand le spermatozoïde entrera et que ta peau sera ridée, la peau de l'œuf aussi sera ridée et il va rejeter le spermatozoïde qui va entrer, plus de bébé. Mais c'est comme ça que tu te retrouveras à 105 ans sans bébé. Rien du tout, seul dans ta vie. Ne te fie pas aux histoires de la Bible.
Comme on dit que Sarah a accouché dans Maman. La tienne, c'est elle. Attends, tu cries sur qui? Sur qui cries-tu? Sur moi? Tu oublies qui je suis? Attends, même si je n'ai plus la force pour te battre, je vais te mordre. J'ai encore la force dans mes dents. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Vous appréciez le service? Beaucoup. S'il te plaît, fais-lui bien la pédicure, d'accord? D'accord. Wow, 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 wow. Ma bien, Fumo. Mon chéri, comment bien, tu vas? Bien, bien, maman et toi? Tu es magnifique. Merci, ça, chérie. Ça, c'est ma maman. Tu pourrais avoir un petit ami, vu ce que t'es belle. Bonjour. Salut. Mon fils, qu'est-ce que j'entends là? Maman, qu'est-ce que t'as entendu? Que tu veux te marier à la fille de Chief Tony. Oh, ça. Oui, maman, je... J'aime Geneviève, j'en ai parlé à papa et il est plutôt d'accord avec ça. Mon as-tu d'abord parlé avant d'en parler à ton papa? Non, maman, c'était juste une conversation d'homme à homme, je t'en aurais parlé de toutes les façons, tu comprends? Nancy est ici à protéger sa famille. À faire semblant que tout va bien dans sa famille. Papa m'a dit qu'ils n'ont pas de problème, donc normalement, tout est clos, c'est normal. Oui, c'est ça. Maman, écoute, j'aime Geneviève et je veux l'épouser, tu comprends? Cette vieille femme, comment oses-tu me dire cela? Maman, écoute, Geneviève a 28 ans et j'en ai 29. Je pense que c'est parfait pour moi. Je suis navrée pour toi. Maman, écoute, j'aime Geneviève et je veux l'épouser. Et je veux que tu le comprennes très bien. Aucun de mes enfants n'épousera une prostituée parce qu'elle bosse dans une boîte de nuit. Maman, Geneviève n'est pas une prostituée. Ne me manque pas de respect. Viv, je vois que tu prends de l'air dehors. Bright, quelle est la signification de ce que tu as fait hier? Écoute, tu ne m'as pas donné le choix, d'accord? Je t'aime et je veux t'épouser. Combien de fois vais-je te dire de rester loin de moi? Bébé, tu n'as pas de raison à te mettre dans des états pareils. Je veux juste te donner de l'amour. Tu m'aimeras en retour. Tu verras, ça viendra avec le temps. Bright, est-ce que tu te rends compte qu'on n'a rien en commun? Comment ça? Pourquoi tu parles ainsi? Oh, à cause de ton travail? Je te trouverai un travail, un meilleur travail, un travail qui sied à une femme mariée. Tu comprends, quelle femme mariée voudrait être gérante de club? Non mais regarde. Bébé, écoute, je t'aime, tu comprends? Babe, Geneviève! Chief! Bright vient de me raconter comment Geneviève l'a humilié et lui dire de ne plus jamais venir ici. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta fille? Hey. Donc, elle est déjà devenue ma fille parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Je n'aime pas ça. C'est notre fille. Maman, c'est notre fille, c'est je vrai. Je ne l'ai pas achetée au marché. Regarde le genre de choses qu'elle fait là. Hein? Elle nous humilie tout le temps. Pourquoi cesse-t-elle de chasser tous ses prétendants? Et d'après ce que je connais, elle n'a jamais eu de petit ami. Pas du tout. Je suis dépassée, oh. Même amener un petit ami ici, elle n'a jamais fait ça. Qu'elle amène d'abord une demi-portion et qu'on le regarde et qu'on dise qu'il a un demi-pied ou que sa main est bizarre. Non. Même ceux qui parviennent à venir ici, elle trouve un moyen de les chasser. Elle a eu le toupet de dire à Bright de ne plus venir ici. Le pauvre homme m'a appelé en se lamentant. Elle est à la maison. Elle est dans sa chambre. S'il te plaît, appelle-la pour moi. Je vais discuter avec elle. Ça veut dire quoi?
Bien. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Assieds-toi. Pourquoi as-tu dit à Bright de ne plus venir ici? Papa, je ne lui ai pas dit ça. Ne me mens pas. Mais on dirait que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Je ne sais pas, papa. C'est juste que je ne l'aime pas. Tu dois forcément avoir des raisons pour dire non. Papa, c'est quoi le problème? Ton genre de quoi? Genre? Tu penses que le mariage, c'est le genre? Maman, je veux un homme qui me comprend. Bright ne le comprend pas. Il veut complètement me changer. Jeune femme, tu dois t'adapter. Lorsque tu maries quelqu'un et que vous restez ensemble, l'amour grandit au fur et à mesure entre vous, ok? Elle se comporte comme si elle avait une usine quelque part. Aïe. Où on fabrique le tissu des maris pour coudre un homme spécial pour elle. Hein? Mais ce n'est pas comme ça, oh. Huh. Écoute, hein, tu es une femme, hein? Ton temps va arriver à expiration très bientôt. Personne ne voudra plus de ta main. Même à Anaïra, personne ne voudra plus. Hein? Tu as 28 ans. Très bientôt, 30. Ensuite, 35. Hey, 40. Tu as expiré. Tu vas aller dans les veillées de prière pour chercher un homme que tu vas payer pour t'épouser. Personne ne te regardera. Sois sage, oh. Essaie d'y penser, oh. Ce n'est pas normal, hein? Je me demande pourquoi Geneviève ne peut pas avoir un mari comme une femme normale. Hmm. Elle cherche un homme qui lui plaît. Elle croit que c'est le plaisir. Hein? Et elle nous fait subir ça. Je n'aime pas ça, oh. Je n'aime pas ça du tout. Pourquoi ne peut-elle pas choisir un mari? Ma chérie, peut-être que nous devons chercher le genre d'homme qui lui plaît et on la lui présente. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Chief, c'est toi qui dis ce genre de choses? Que veux-tu que je dise? Oh non. Donc, on doit laisser tout ce qu'on a à faire, entrer au marché, entrer dans les rues, prendre un balafon et commencer à sonner. Pardon, un mari pour Geneviève. Nous sommes désespérés. Venez déposer vos candidatures, hein? À l'âge de 28 ans, elle ne peut pas trouver un mari par elle-même. Laisse tomber, ne te dérange pas, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Chérie, pas de problème, il est temps d'agir. Je sais quoi faire. Il est temps que je commence à la restreindre dans cette maison. Quand elle ne se sentira plus confortable ici, elle saura que le moment est arrivé d'aller dans sa propre maison. Fais ce que tu as à faire. Tout ce que je veux, ce sont les résultats. Hein? Tu comprends? T'inquiète. Tout ce que je veux, ce sont des résultats parce que ça commence à m'énerver. Debbie, je ne veux pas juste une relation. Je veux épouser ton amie, tu comprends? En as-tu parlé avec elle? Bien sûr, j'ai été claire avec elle depuis le départ. C'est juste une question de boîte de nuit. Tu sais que cette histoire de boîte de nuit est une partie intégrante d'elle, pas vrai? C'est son job. Je le sais, mais elle peut changer de carrière. Réfléchis-y. Une femme qui finit par se marier, va au travail le soir et revient le matin, elle n'aura pas le temps de s'occuper de sa famille. Je vais en parler avec elle. C'est gentil. Merci. On se reparle le matin. Ta mère est là? Oui, elle est là. Ok, bonne journée à toi. Hey! Pourquoi ma cuisine ressemble à un champ de bataille? Hey, hey! Mais... Hey! Geneviève et Boukwam! Geneviève! Bien. Geneviève. Où es-tu? Tu es sortie acheter un truc et la cuisine est comme ça, comme un champ de bataille, dans ma cuisine. Bien. Ton énergie est finie pour nettoyer la cuisine. Quand c'est pour aller à ta boîte de nuit, danser toute la nuit jusqu'au matin, ça ne te fatigue pas. Même pas un peu. Maintenant, qui va nettoyer ça? Bien, allez, reviens ici vite. Ne joue pas avec moi, oh. Aujourd'hui, tu vas rester ici et regarder ce que je veux avec moi. Tout le temps, tu veux qu'on regarde le football. Bien sûr. Pourquoi tu ne pars pas dans la chambre? Laisse-moi voir. Et c'est même bien. Ton club a été éliminé de la ligue. Hey. C'est bien fait.
Papa? Maman? J'irai aux États-Unis la semaine prochaine. En Amérique? Mm-hmm. Actuellement, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Ah. Papa, c'est un voyage d'affaires. Mm-hmm. Je ne veux pas que tu ailles quelque part, tu sais, le monde n'est plus en sécurité nulle part. Papa, je vais à une conférence. Je suis une oratrice là-bas et je représente ma société. Laisse quelqu'un d'autre y aller. Papa, je suis la seule à avoir un passeport américain. Et en dehors de moi, personne d'autre ne peut y aller. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu ailles quelque part. Ok? J'en ai fini. Maman, tu ne dis rien? Pourquoi m'appelles-tu dans cette histoire? Tu connais mon point de vue. Depuis le premier jour, je n'ai jamais aimé ton job. Qui te fait sortir dans la nuit? Ma fille, il y a 3 catégories de personnes qui marchent dans la nuit. Les sorcières, les putes, les ritualistes. Tu ne nous as pas encore dit chez qui tu fais le stage pour apprendre le métier qui te fait sortir dans la nuit. Vraiment? La nuit, c'est le moment où les femmes décentes doivent être avec leur mari. Elles disent « j'ai froid ». Il répond « je suis ton oreiller ». Voilà ce que les femmes décentes font dans la nuit. Annabi. Je ne sais pas ce que tu cherches dans la nuit à marcher de gauche à droite. Tu ne dors pas chez toi. Toujours ouais. Dehors la nuit. Je ouais. Soutiens ton père. C'est bien ça. Elle vient ici nous raconter qu'elle veut aller aux États-Unis. Pardon, je ne veux même plus parler. Mieux d'elle, elle veut aller en Amérique. Mes parents m'ont transformé en femme de ménage. Vive, t'exagères un peu trop là. Je n'exagère pas. Tout ce que je fais, c'est de faire des travaux domestiques. Le matin, à midi et même dans la nuit. Regarde, j'ai déjà des muscles. Tu n'as pas de muscles. Je ne vois rien du tout. Ce n'est pas drôle. Regarde-moi, non, hein? Regarde, regarde. Je ressemble à une catcheuse. Regarde, des muscles partout. Je ressemble déjà à un homme. Tu ne ressembles pas à un homme, hein? Ma puce, calme-toi, s'il te plaît. Et je sais que tout ceci, c'est à cause de Bright. Ma puce, s'il te plaît, passe-moi la télécommande. C'est quoi cette fiction que tu regardes? Ce n'est pas faux. Vraiment? Mm-hmm. Quoi? Ça? Ma puce, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il montre. C'est un faux mariage. Tu le penses vraiment? Ouais, mais c'est évident. Regarde, regarde toi-même. Esprit malin, tout voile qui couvre le visage de ma fille. Pour qu'elle ne se marie pas, hey, je commande qu'il soit détruit par le feu. Amen. Par le feu. Amen. Par le feu. Amen. Par le feu. Amen. Hey, hey. Dadin Kouiligwe, ah. Toute personne diabolique dans la famille de mon mari oui. Ayant décidé que ma fille ne se mariera pas, mourra par le feu. Amen. Toutes les personnes au chômage dans la famille de mon mari, cherchant qui va les nourrir, et qui sont jalouses des personnes qui ont du succès, qu'elles se mettent toutes une à une à tomber et meurent par le feu. Meurent par le feu. Meurent par le feu. Meurent par le feu. Chacune de ces personnes qui causent des problèmes dans la vie de ma fille, elles sont jalouses et ne veulent pas qu'elles se marient. Ah, alléluia. Papa, envoie le feu de ton esprit saint dans la concession de mon mari au village.
commence à détruire tout le monde qui est là-bas, qui complote le mal contre moi, ma fille, ma famille, au nom puissant de Jésus. Mmh. Alléluia. Merci Père, merci Seigneur d'écouter merci, ma prière. Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mmh. Emma. Mmh. Ma chérie. Amen. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas de sorciers dans ta famille? C'est seulement dans ma famille qu'il y en a des sorciers. Pourquoi tu sais que les gens de ta famille sont toujours très bizarres? Il n'y a que des gens pacifiques dans ma famille. On n'aime pas les problèmes. Mmh. Hey. Donc accepte la vérité, accepte ça comme ça. Mmh. Hey. Papa. Un homme. Sais-tu que je... Elle t'a dit qu'elle cherche son passeport? C'est moi qui l'ai pris. Hein? Pourquoi? Cette fille veut s'enfuir aux États-Unis. Et tout à coup, c'est à cette période qu'elle dit qu'elle veut voyager. Écoute-moi bien. Elle ment. Elle veut s'enfuir. Elle trouve qu'on lui casse les oreilles. Elle n'a même pas encore commencé. Non, non. Geneviève est une bonne fille. C'est une bonne fille. Je suis sûr qu'elle ne s'enfuira pas, je suis sûr. On va continuer à lui mettre la pression. Je t'assure. C'est bien ce que tu fais, c'est bien. C'est mon boulot, non? Elle va voir, je n'ai même pas encore commencé. Confirme. Je vais la traiter quand je vais la traiter. Elle va laver les habits jusqu'à ce que ses mains se desquament. Je t'ai dit que j'ai renvoyé tous les emplois. Elle va faire toutes les tâches de cette maison. Elle va nettoyer cette maison de fond en comble. Je verrai la force qu'elle aura pour aller en boîte. Bien fait. On verra comment elle restera encore dans cette maison. Je n'ai même pas encore commencé, je suis prête pour elle. Je le savais. Je le savais. Je savais que c'était ma mère. C'est bon, Vive. Non, ce n'est pas bon. C'est avec mon boulot qu'ils sont en train de jouer là. Comment peuvent-ils me faire ça? Juste parce que je ne suis pas mariée? Comment? Ça va trop loin. Je suis d'accord, ok? Mais ce sont tes parents. Tu dois essayer de te calmer. Je ne vais rien dire. Je sais exactement quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Vive. Je t'ai appelé ici dans mon bureau pour qu'on ait une discussion en tête à tête. Une discussion de père et de fille. C'est à propos de ton amie, Geneviève. S'il te plaît, je veux savoir un truc. A-t-elle un petit ami? Je le crois bien. Tu le crois? Ça veut dire que tu n'en es même pas sûr. Depuis combien de temps n'es-tu plus sûre des choses qui la concernent? Qu'elle n'a pas de petite amie? Apparemment, elle sort avec quelqu'un. Mais je n'en suis pas sûre. Hmm. T'a-t-elle dit qu'elle a rejeté un autre prétendant? Oui, Tiff. Y a-t-il une raison à cela? Non, Tiff. Elle rejette tout homme qui vient demander sa main en mariage. Elle n'amène personne à la maison. Cela veut dire qu'elle ne veut pas se marier? Elle ne cesse de rejeter tout prétendant qui vient demander sa main en mariage. Je t'en prie, ma fille. Je t'ai fait venir pour m'aider à lui parler. Je sais que tous les deux vous êtes très proches. Parle avec elle parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Ni même sa propre mère. Toi, elle pourrait t'écouter. Je vais lui parler, Tiff. Je t'en prie, fais-le. S'il te plaît. Ça devient trop grave. Elle rejette tous les hommes qui viennent demander sa main en mariage. Ce n'est pas normal. Je vais lui parler. Ce mec est mignon. Celui-ci aussi. Défile. Puis-je te demander quelque chose? Pourquoi parcourons-nous autant de photos de mecs? Débit, pour la cinquième fois, nous cherchons un homme qui va m'épouser. Et pourquoi est-ce que nous cherchons un homme qui va t'épouser? Ah, mais c'est simple. Ainsi, je pourrais l'épouser. Prendre le cadeau, l'argent et la maison que mes parents m'ont promis. Je vais l'utiliser pour fructifier mes affaires. Donc, tu veux qu'on trouve un homme qui va t'épouser? Oui. Mais pourquoi ne pas choisir l'un des hommes qui est venu demander ta main? Qu'en est-il de Bright? Bright? C'est justement à cause de lui que je fais ça. Mes parents veulent l'enfoncer dans ma gorge. Et j'en ai marre. Ok, donc,
Nous devons trouver un homme neutre pour t'épouser. Debbie. Oui. Viv, j'ai une panoplie de questions. Je sais. Mais continuons de regarder, ok? Oui. Non, 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 non. Trop sérieux. Bébé, sais-tu qu'il y a des gens très chanceux dans cette vie? Figure-toi que les parents de Geneviève ont promis de lui donner 10 millions de naira et une maison si elle se marie. Vraiment? J'en suis pas certain. Je suis sûr que cet argent et cette maison iront à une œuvre de charité à la fin. Non. Elle cherche vraiment un mari. Et elle m'a même fait fouiller une pléthore de profils sur Facebook, hein? Parce qu'elle veut un mari convenable à épouser. Quoi, t'es sérieuse? Mais pourquoi aller sur Facebook pour chercher un mari? T'es sûre que le mec va l'épouser, en es-tu sûre? Je ne sais pas. Mais elle a un plan. Elle a un plan? Pour être honnête, je n'aime pas que tu fréquentes cette femme. Et j'aimerais vraiment que tu cesses de la fréquenter. Au moins, il faut que tu réduises ça. Quelqu'un ne peut pas te faire des ragots en paix, oh. Quelqu'un ne peut pas te faire des ragots. Bébé, là, il ne s'agit pas de ragots. C'est juste que je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh. C'est qui ça? Maman? Rien. Rien. Mm-hmm. C'est ton copain? Oh, non. Quand est-ce que tu vas nous présenter un petit ami vivant? Hein? Un vrai, un vivant. Pas ce que tu passes le temps à regarder dans le téléphone. Mais ça ne vaut pas la peine, oh. Ne sois pas trompé par ses abdos. Tu comprends? Il n'y a rien là. Après avoir utilisé toute leur énergie en salle de gym, le temps qu'ils auraient utilisé pour gagner de l'argent, le compte, phew. Mais maman... Même toute l'énergie qu'ils doivent utiliser pour prendre soin d'une femme, il n'y a rien là-bas. Ils ont tout gaspillé. Maman... Ils sont fatigués, maman, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Ah, ah. Je suis venue papoter avec toi. Non, pas de bavardage. C'est bon. S'il te plaît, j'ai les maux de tête. La migraine? Hein? Tu es sérieuse là? J'ai les maux de tête. J'espère que ce n'est pas la grossesse, oh. Pardon, ne viens pas tomber enceinte chez moi, oh. Je ne veux pas avoir honte. Je n'ai nulle part où me cacher. Tu veux que je parte et que je te laisse ici? Me laisser dans ta chambre? Oui. Non. J'ai ma propre chambre avec mon mari. Tout comme tu dois avoir ta propre chambre avec ton mari dans ta propre maison. Si tu acceptes de sortir et rencontrer un homme réel et te marier, il y a des hommes que tu peux rencontrer à l'église. Hey! Mais si tu vois les beaux hommes qui sont à l'église, il faut les voir faire le protocole comme ça. Hey! Oh! S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que je peux... Hé, je ne suis pas intéressée. S'il vous plaît, vous êtes très belle. J'aimerais vous connaître, connaître votre nom, qui vous êtes, s'il vous plaît. Oh, bien sûr. Salut. Salut. Je m'appelle Geneviève. Mon nom à moi, c'est Desmond. Desmond, ok, pas mal. Ravi de vous rencontrer. Je me disais, peut-être qu'un jour, je peux vous inviter à déjeuner. Un de ces jours, vous savez, juste pour discuter, je veux mieux vous connaître. Vous êtes tellement belle. Merci. Heureusement pour toi. Je suis affamée. On peut y aller maintenant. Bah, je me disais, peut-être la semaine prochaine. Je n'ai pas ma carte avec moi et mon porte-monnaie est... Alors, tu fais quoi dans la vie? Je dirige un club et j'organise des événements. Ça semble être intéressant. Gérante de boîte de nuit. Ouais. Bon, assez parlé de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je conduis un taxi. Quoi? Ouais. Allô? C'était ce soir? Eh hey, merde. Qu'en est-il du visa canadien? Refusé aussi? Eh hey, merde. Ok, d'accord, je te rappelle plus tard. Oh putain. On t'a refusé le visa?
Je suis désolée. J'ai écouté ta conversation. Non, non, ça va, t'inquiète. On me l'a refusé, alors c'est pas grave. Et pourquoi veux-tu aller à l'étranger? Je veux juste quitter ce pays. Tout est si difficile ici. Même si j'essaye de bosser, c'est toujours difficile. Je veux quitter ce pays. Je veux aller voir ailleurs. J'ai une proposition à te faire. Qui va t'aider à obtenir un visa américain? Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. J'arrive. Vous êtes rentré plus tôt. Oui, maman. Si je l'avais su, oui, je serais préparée pour vous. Jane, ouais. Hey, mais vous êtes rentré. Où est papa? Il est dans la chambre. Chief, ils sont rentrés. Hey. Tu n'es maman, que tu es bon, mais Imela. Tu m'as fait beaucoup de bien. Imela. Hey. Regarde comment tu vas. Papa. Bienvenue, mon fils. Bienvenue. Comment bienvenue, tu vas, papa? Tu vas bien, papa? Oh, ma chérie, tu m'as bonjour. Tellement manqué. Tu m'as également. Comment tu vas, mon fils? Hey, tu as bonne voyage. Oh, merci, ma chérie. Bien, sois le bienvenu. Merci. Hey, merci, tu m'as Chief. Tellement oh, tu m'as également manqué. Mariage est bien. La prochaine fois, Chief, tu vas m'amener en voyage comme eux. Regarde. Regarde comment ils brillent. Bienvenue à vous, les enfants. Merci, maman. Je suis si heureuse de vous voir. Merci beaucoup, maman. S'il te plaît, tu dois venir me donner ce que papa et toi vous m'avez promis. Hey, tu vois, tu reviens à peine de tes vacances. La première chose à laquelle tu penses, ce sont tes cadeaux. Tes cadeaux de mariage. Hein? C'est quel genre de femme ça? Une fille qui beau. Regarde-toi, tu ne te soucies même pas de ce que ton mari va manger. Oh. Exactement. Désolée. Desmond, qu'est-ce que tu aimerais manger? Pour commencer, les repas de l'avion sont si horribles, alors je veux un repas à mets très délicieux. Hey, tu oui. devrais me connaître déjà. Le repas est toujours moi, je te hey, j'ai quelque chose de chaud dans la cuisine. Merci, hey, maman. Mon fils, je vais chercher si ça et t'en apporter. Besoin d'un coup de main? Non, ne t'en fais pas, ma fille. Tu es une invitée spéciale aujourd'hui. Hey. Ego, Ego, comment était ton bien. Voyage? Comment vous allez ici, hein? Ouais, bien. Desmond. Oui. Alors, la lune de miel. Eh bah, ben, on est toujours en lune de miel. Alors, je peux imaginer. Vous étiez occupé à manger les fruits de mer et à faire. Chief, tu fais comme si tu ne m'écoutes pas, hein? Je t'écoute. Parce que j'ai dit qu'on ira aussi en vacances. On ne parle pas en mangeant, hein? Écoute, Madeleine. Écoute-moi, je veux voyager, je veux aller en vacances. Ne t'en fais pas, je t'emmène aux Bahamas l'année prochaine, ok? Vous êtes mes témoins. Oh. Ah, ça, c'est vrai, on l'a entendu, Bahamas. On l'a entendu. Voilà, ça me rappelle un truc. J'ai fait une promesse à ma fille lorsqu'elle était célibataire. Je vais accomplir ma promesse aujourd'hui. Ego, Ego. Oui, papa. Voici les documents de ta nouvelle maison. Aleki. Papa? Entièrement équipé par moi. Mon Dieu! Merci, papa. Merci je aussi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Merci. Je t'aime. Desmond. Oui, monsieur? Bien que je lui ai remis les documents à elle, la maison est à vous deux. Merci, monsieur. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous devez réussir, ok? Et me donner... plein de petits-fils. Amen. Ah ça, j'ai hâte d'y mettre, monsieur. Amen. Et là, vous merci, maman. Joie. Voici un présent de
Ton père et moi, Geneviève, nous sommes très fiers de toi. Et nous savons que maintenant que tu es mariée, toi et Desmond ensemble, vous réfléchirez ensemble et vous dépenserez ceci sagement. C'est beaucoup trop. Merci infiniment. Merci beaucoup. 10 millions de naira. Wow. Merci beaucoup. Salut. Où vas-tu? Je vais au boulot. Quel boulot? Conduire mon taxi, bien sûr. Tu vas continuer à conduire ton taxi maintenant que nous sommes mariés? As-tu un autre boulot pour moi? Eh bien, tu ne peux plus continuer à conduire ton taxi. Tu es désormais mon mari. Un mari de pacotille. Eh bien, tu es toujours mon mari. Marie sonne mieux. Marie? Un mari que tu n'as jamais touché? Tu? Sérieux? Mon ami. Hey! Enfin mariée. Tu ne m'as toujours pas répondu. Oh. Quoi? Pourquoi est-ce que je ne te vois plus du tout? Ah, ma puce. Depuis que j'ai acheté la moitié de la boîte, c'est juste boulot, 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 boulot. Même le mariage ne peut pas te ralentir. Ma chérie, le boulot ne va pas juste se réveiller un matin et me dire qu'il ne m'aime plus. Vive. Mm-hmm. Salomon était un salaud. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Regarde Desmond. Il est le parfait opposé de Salomon. D'accord. En parlant de lui, comment est-ce qu'il va? Eh bien, il est allé au boulot. Son boulot de conducteur de taxi. Il conduit toujours ce taxi? Je t'assure, c'est très embarrassant. Il a déposé ses dossiers dans plusieurs structures, mais toujours rien jusqu'à présent. Je ne suis pas surprise de sa vie et de sa sociologie. Un homme étrange. L'as-tu envoyé chez Dili? Tu sais qu'ils ont toujours des places. Ça, c'est vrai. Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé? Une fois arrivée à la maison, je le ferai. Mmh, ouais. T'ai-je dit que j'ai rencontré ta mère au mariage de Dili? Oh, vraiment? Vive, je l'ai évité. Depuis ton mariage, hein? J'ai tellement peur de tes parents. Je ne vais pas mentir. La culpabilité pèse lourd sur moi. Genre, je me sens vraiment mal pour ce que j'ai fait. N'as-tu pas remarqué qu'ils sont si gentils avec moi ces temps-ci? J'espère et je prie qu'ils ne découvrent jamais ce que j'ai fait. Moi aussi, je l'espère. C'est bon. Allez. Merci. Salut. Salut. Où comptes-tu aller avec cette chemise? Cette cravate? Et les chaussures? Je vais à un entretien d'embauche. J'ai parlé à un ami et je lui ai dit que je cherchais un boulot. Il m'a donc dit de passer à son entreprise pour un entretien. Et il m'a demandé que je m'habille en responsable. Oh! Comment tu me trouves? Oh, eh bien, tu es OK. Mais, permets-moi.
Geneviève ? Geneviève ? J'ai eu le poste ! Geneviève ! Geneviève ! J'ai eu le poste ! J'ai eu le poste ! Oh ! Ouais ! J'ai eu le job ! Allez, approche ! J'ai dit, j'ai eu le travail ! Je sais pas, mais tout semble bien marcher pour moi ! Tu te rends compte ? Juste après t'avoir rencontré, j'ai eu un boulot ! Félicitations ! C'est un bon signe, pas vrai ? Oui. Ouais, ça l'est. Oh, c'est dingue ! Tiens. Je te prépare ton petit déjeuner. Il sera bientôt prêt. D'accord. Hey. Je suis surpris que tu me fasses le petit déjeuner. Eh bien, c'est ton premier jour de boulot et je n'aimerais pas que tu ailles le ventre vite. T'es une très belle personne. Je veux dire, t'es tellement sexy. Tu sais, t'as des très belles lèvres. Desmond, tu veux ton petit déjeuner ou pas? Bien sûr, je le veux. Bien. Hey. Bonsoir. Tu sais, tu devrais prendre une photo. Cela mettra plus long. Ouais. T'es tellement belle. Je m'en vais au boulot. Ah, j'ai eu une superbe journée au boulot, alors je t'ai acheté ceci. Pourquoi m'as-tu acheté un cadeau? Ce n'est pas mon anniversaire. Je sais, mais je l'ai vu et j'ai pensé à toi. Je l'ai acheté pour toi. Oui. Hey, allons-y. Je n'arrive pas à croire que tu as mené une prostituée dans notre maison. Elle n'est pas une prostituée. Alors, qui est-elle? Dans ce cas, pourquoi se faufile-t-elle hors de cette maison à 6h du matin? Elle ne sort pas en douce et c'est pas une prostituée. Écoute, je comprends que tu aies des envies. En tant qu'homme, tu dois faire ce que tu as à faire. Mais si tu dois le faire, amène-la ailleurs qu'ici. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est notre foyer. N'importe quoi. Écoute-moi si tu me donnes l'occasion de t'expliquer. Amène-la ailleurs. Elle n'est pas une prostituée. Foutaise. D'accord.
Elle n'est pas une prostituée, c'est une bonne fille. Ma puce, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Si je te raconte, est-ce que tu sais que cette pute gémit ça à haute voix? On aurait dit qu'une vache était sur le point de mettre bas, sans aucune classe. Pendant près d'une heure, je n'ai même pas pu boire mon café en paix. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse amener une prostituée dans notre maison. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas sérieux du tout. Notre foyer. Notre foyer. Qui fait ça? Attends. Vous faites la chose? Burke. Non. Pourquoi non? Comment ça, pourquoi non? C'est un faux mariage. Ok. Alors, pourquoi es-tu si fâchée qu'il ait couché avec une autre femme? Eh bien, il doit mener cette personne autre part, pas dans notre maison. Je ne sais pas trop, mais cette histoire semble vraiment te tenir à cœur. Écoute, elle a vu Rebecca sortir de la maison et elle s'est fâchée. Elle s'est énervée. Desmond, comment as-tu pu amener une prostituée dans votre maison? Elle n'est pas une prostituée, c'est ma collègue. On bosse ensemble. Et j'ai essayé de lui expliquer et elle a refusé de m'écouter. Parce que ce que tu as fait est très douloureux. Je comprends pas. Écoute, Debbie. Quand on a signé ce contrat, il était écrit que le sexe faisait partie de l'accord. Et dû à ça, tous les deux sommes libres d'avoir des relations avec qui on veut. Donc je ne vois aucune raison pour laquelle elle devrait être fâchée. Oui, tu peux coucher avec qui tu veux, mais ne les amène pas dans votre maison. C'est aussi ma maison ici. Tu veux que j'aille où? Dans un hôtel? C'est ici que je vis. Notre mariage est juste une comédie. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Ok, Desmond. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Ok. Ce que je veux, c'est que tu m'aides à lui parler. Je veux dire, fais-lui entendre raison. Elle est fâchée, je ne suis pas content qu'elle soit fâchée. Son visage est sombre dans la maison. J'ai jamais dérangé sa tranquillité ni son bonheur, donc j'aimerais qu'elle me pardonne. S'il te plaît. Hé, hey, Geneviève, s'il te plaît, je veux te parler. Desmond, je suis fatiguée. D'ailleurs, pourquoi es-tu encore à la maison? Écoute, j'ai remarqué que tu m'évites depuis. Et je me rêve de dire que cette fille n'est pas une prostituée. C'est ma collègue au bureau et on travaille ensemble. Tu l'as amenée à la maison pour coucher avec elle. Je n'ai pas couché avec elle. Tu as raison. Je ne voulais pas t'énerver. Je ne suis pas contrariée. Mais tu t'es fâchée contre moi? Moi, en colère. Je ne suis pas en colère. Geneviève, écoute, j'essaye d'attirer ton attention. Je ne sais plus faire ça, je ne sais plus. J'ai fini par t'apprécier énormément. Je crois que je t'aime chaque jour qui passe. Geneviève, chaque nuit depuis qu'on a signé ce contrat, je pense tout le temps à toi, je ne cesse de penser à toi. Geneviève. Je veux dire, je t'aime. Je t'aime vraiment. Je veux dire, tous les jours, je pense à toi. Geneviève, dis quelque chose. Dis-moi quelque chose.
Salut. T'es rentré? Ouais, je suis rentré. Je suis super fatigué. Comment s'est passée ta journée? Elle était chouette, fantastique. La présentation s'est très bien passée. Mon boss est très impressionné et je vois de bonnes choses arriver au bureau. Comment était ta journée? Eh bien, elle est sur le point de commencer. On a eu des tickets supplémentaires et on est fin prêt pour le lancement. Je te souhaite bonne chance. Bon, pourquoi ne viendrais-je pas au club ce soir? Ouais, je serai là juste au cas où tu as besoin d'aide. Je sais que tu as bossé énormément et très dur parce que tu adores ton boulot. Et puis, je veux faire une petite expérience pour le futur, pour moi-même. Desmond, tu dois aller au boulot demain matin. Je sais ça, mais bon, on est d'accord, je vais monter. Je vais monter, prendre une douche et je te rejoins. Oh, je suis fatigué. Ce soir, je vais faire la fête. Merci d'être venu en boîte avec moi. Ne me remercie pas. Merci à toi, Geneviève. Tu as fait tellement de choses pour moi. Comment? Tu ne peux pas comprendre. De toutes les façons, ne serais-tu pas fatigué au boulot aujourd'hui? Je serais très excité de raconter à tout le monde la superbe nuit que j'ai passée en boîte. Je veux dire, j'ai rencontré tellement de célébrités et tous ces musiciens qui viennent dans ta boîte. Waouh! Ok. Qu'est-ce que tu aimerais manger à ton retour, hein? Du riz au poulet. Oui. Ok. Sans souci. Tu auras du riz et du poulet. Merci, bébé. Il est où ton téléphone? Je ne sais pas. Quelque part là-bas. Je t'ai envoyé 20 000. Tu achèteras les ingrédients pour faire mon riz au poulet. Vraiment? Allez, fais-moi ce sourire qui illumine ma journée. Ok, où sont mes clés? Oui! Mais pourquoi ne dis-tu pas à ta belle-mère qu'elle ne peut pas continuer à interférer dans ton mariage comme ça? Le dire quoi? Ha! Je ne peux pas le dire ça, oh. Et pourquoi pas? Dire à ma belle-mère qu'elle ne doit pas me parler de son fils? Ouais. Je ne peux pas dire ça. Si c'était moi, j'allais lui dire le fond de mes pensées. Vraiment. Tu sais, ton faux mariage avec Desmond signifie que tu n'as pas à te coltiner une vraie belle-mère. Faux ou pas, je lui dirai toujours ma pensée. Qu'est-ce que mon divorce a à voir avec tes histoires, hein? Faux ou pas, je dirai toujours ma pensée. Ok. Donc, au moment de divorcer de Desmond, j'espère que tu diras ta pensée à tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que mon divorce a à voir avec tes histoires, hein? Rien du tout. Oh, oh, Kim, regarde. Raconte-moi autre chose, pardon. Qui veut regarder Kim? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai entendu discuter avec Debbie. Je crois que son mariage a des problèmes. Ah ah! Ils étaient ici dimanche, je les ai pourtant vus.
Papa, je t'ai dit que je les ai entendus, hein? C'est comme si tu ne connaissais pas ta fille Geneviève. Elle est capable de tout. Ils n'ont même pas un an de mariage. Comment divorcer maintenant? On doit tirer cette histoire au clair. Bien. Je vais tirer cette affaire au clair. Tu dis que Geneviève est avec sa meilleure amie Debbie? Oui. Allô? Oui. Je suis en route pour aller à mon salon, mais... Oui, je peux venir sur le champ. Oui. Ok. D'accord. J'arrive. Bonsoir. Bonjour, papa. Très bien. Debbie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Chérie, ça va? Debbie. Monsieur. Je t'ai appelé ici pour une raison. Comme nous le savons tous, Geneviève et toi, vous êtes des meilleurs amis. Oui. Et tu sais que je te considère aussi comme ma fille. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Debbie, s'il te plaît, je veux que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre Desmond et ma fille Geneviève? Geneviève et Desmond? Oui. Je l'ignore, monsieur. Il y a un truc entre eux. Je n'en sais rien. Écoutez, hein, pas besoin de mentir. Je suis au courant du divorce. Donc, pas besoin de mentir. Parle seulement. Papa, je ne sais rien. Oh. Maman, je n'en sais rien. Je ne sais rien du tout. Oh, alors comme je te parle comme un père, parle à sa fille, ça ne te plaît pas. Tu veux que j'appelle la police? S'il vous plaît, monsieur. Maman, je ne sais rien. Parle, non? Le mariage de Geneviève et Desmond est faux. Quoi? Retour à l'envoyeur. Poufia, le mariage de ma fille n'est pas faux. Chérie, s'il te plaît, écoutons-la. Debbie, vas-y, parle, je t'écoute. Geneviève a payé Desmond pour l'épouser. C'est un faux mariage. Aïe. Pardon. Pardon. C'est de ça que vous parliez? Aïe. Je n'en crois pas mes oreilles. Geneviève, pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Je voulais que vous me laissiez tranquille. En payant un homme pour t'épouser? Pourquoi n'as-tu pas choisi l'un des hommes qui est venu demander ta main en mariage? Il aurait bien pris soin de toi. Tu as préféré payer un homme pour t'épouser. Pourquoi? Je suis désolée, papa. Je suis vraiment navrée. Je suis désolé, monsieur. Et toi, Desmond? Nous t'avons accepté comme l'un des nôtres. Et tu as décidé d'être complice. Pourquoi? Je suis vraiment désolé, monsieur. S'il vous plaît. Où avons-nous échoué? Que t'avons-nous fait? Où avons-nous échoué? Maman, je suis désolée. Mais... je ne peux pas l'effacer. Maman, je suis aussi vraiment désolé, je suis autant coupable. Être désolé ne résoudra pas le problème. Que vais-je dire à tout le monde? Les gens diront que ma fille n'a pas pu maintenir son mariage. Je suis désolée, maman. Geneviève, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas être normale. Pourquoi ne peux-tu pas être normale comme les autres filles? Maman. Geneviève est une très bonne femme. Les autres filles dont vous parlez là, comparées à Geneviève, Geneviève est
une femme merveilleuse. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Comme tous les deux, vous voulez divorcer. Je dissous moi-même ce mariage. Quant à toi, Desmond, je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie à nouveau. Sortez de ma maison. Théo! Théo! Je suis désolé. Désolé, monsieur. Sortez! Nda, mariage arrangé. En quoi est-ce ma faute? En quoi tout ceci est-ce de ma faute? Tu n'as pas bien joué ton rôle. Si tu avais disparu quand ton contrat s'était achevé, tout ceci n'allait pas arriver. Et quel est le rapport avec tout ça? Tes parents ont découvert la vérité sur tes mensonges et tu veux me blâmer? Et pourquoi je ne te blâmerais pas? Hein? Tu étais censé partir une fois le contrat achevé. Hein? Pourquoi n'es-tu pas parti? Peut-être que je voulais pas partir. Ceci ne serait pas arrivé si tu étais parti. Je ne pense pas qu'il devrait divorcer comme ça. Oh. Pourquoi? Ne les as-tu pas entendus? Leur plan est de divorcer à la fin. Quelle différence cela fait-il? Je ne veux pas que ma fille soit une divorcée. Et maintenant, que veux-tu? Tu forces-les à vivre ensemble, non? Écoute, ma chérie, vu tout ce que Geneviève a fait tous ces temps, je crois qu'elle est prête à avoir tout ce qu'elle veut. Si elle veut de la liberté, donnons-la lui. Tu veux que vont dire les gens sur nous partout là-dehors? Hein? Et qui va encore l'épouser après qu'on aura vu qu'après un an de mariage, elle n'a pas pu tenir un an? C'est désormais le problème de Geneviève. Si elle a eu le courage de planifier une telle chose, ah, j'en suis sûr, elle s'en sortira. Ça ira, ok? Ne t'en fais pas pour elle. Ma chérie, calme-toi, s'il te plaît. Ne réfléchis pas trop, ok? Moi, je dois dormir. Desmond. Je suis désolée. Si on s'en tient au contrat, je dois partir. Je ne le pensais pas. Écoute, peu importe ce que tu voulais dire, ton plan marche à la perfection, je suis sûr de ça. Tes parents ont découvert, t'es fâché contre moi, tout va bien, tout va très bien pour toi. Laisse-moi juste partir. Geneviève est une très bonne femme. Les autres filles dont vous parlez là, comparées à Geneviève, Geneviève est une femme merveilleuse. Je suis désolé,
Je suis vraiment désolé. Comme tous les deux, vous voulez divorcer. Moi-même, je dissous ce mariage. Et toi, Desmond, je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Sortez de ma maison. Sortez! Dehors! Comment une fille aussi belle peut-elle rejeter des prétendants? Qu'est-ce qui ne va pas chez ma fille? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Oh! Debbie. Ah, maman, je ne t'ai pas vue. Bonjour. Debbie, je veux te parler. Je ne sais pas comment Geneviève a pu faire une chose pareille. Je suis juste... Excuse-moi un instant. Je n'arrive pas à croire que Geneviève ait ce genre de cœur pour réfléchir et concocter ce genre de plan contre moi et son père. J'ai le cœur brisé. J'ai juste... Chaque matin, je me lève et je prie que j'ai rêvé tout ça et que je vais me réveiller. Sais-tu que Geneviève ne répond même plus à mes appels? Elle m'évite maintenant. Elle ne décroche pas mes appels non plus. Je suis même allée chez elle l'autre jour. Elle ne m'a pas ouvert la porte. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu élaborer un plan aussi vicieux. Maman, je pense que Geneviève s'est sentie sous pression. Pression de quoi? Quelle pression? Qu'y a-t-il d'étrange dans ce que son père et moi lui demandions? Juste qu'elle se marie comme les filles des autres? Quelle pression? Geneviève n'aimait aucun de ses prétendants. Et nous la connaissons très bien toutes les deux. Jamais ça n'aurait fonctionné. Personne n'a un partenaire parfait. Nous les supportons tous. Maman, nous sommes tous différents. Je connais Geneviève depuis notre enfance. Elle ne fait jamais les choses normalement. C'est comme ça qu'elle est. D'accord. Et c'est pour ça qu'on doit la changer. Non, maman. On doit plutôt l'accepter comme elle est. C'est comme ça qu'est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne fait rien. Laissons un peu de temps à Geneviève. Tout va s'arranger. Hein? Ne pleure pas, maman. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je savais que ça finirait comme ça et je t'avais prévenu. Et qu'est-ce que j'étais censée faire? Simplement dire la vérité à ton ami et rien d'autre. Tout ce qu'elle faisait n'avait aucun sens depuis le début. Mais tu connais Geneviève. Elle aurait quand même fait. Voilà le résultat. J'imagine comment se sentent ses parents. Ils se sentent tellement trahis. Voyons pourquoi un enfant pourrait-elle causer autant de peine à ses parents. Pourquoi? Ils ne méritent pas ça. Et tu dois vraiment t'excuser auprès d'eux. Tu dois vraiment le faire. Papa, pitié. Pardonnez-moi pour tout. Vous avez été si gentil envers moi, et le moins que je vous devais, c'était la vérité. Debbie, je suis déçu de toi. Tu sais que je te considère comme ma fille, mais tu ne m'as pas dit ce qui se passait. Je suis vraiment désolée, mais j'avais fait une promesse à Geneviève que je ne le dirais à personne. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui est arrivé, mais je ne regrette rien. Debbie... Monsieur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais malgré toutes les bizarreries de Geneviève, Desmond et elle vont si bien ensemble.
comme le riz et le haricot. Que veux-tu dire par là? Dans ce qu'elle a fait, Geneviève a trouvé l'homme parfait qui lui convient véritablement. Desmond t'a envoyé? Il t'a contacté? Non. Desmond ne m'a pas envoyé. Je suis venue pour vous dire la vérité. Pourquoi ne veux-tu pas parler à tes parents? Ils sont morts d'inquiétude pour toi. J'ai honte de moi. Je ne peux pas les affronter. Mais ils sont déjà au courant. Ce que tu peux faire, c'est de les empêcher de s'inquiéter. Tu ne comprends pas. Je suis une déception pour mes parents. Ils détestent mon boulot. Ils détestent les décisions que je prends. Et maintenant, je leur ai donné une raison de plus pour me détester. Ma puce, ils ne te détestent pas. Ils veulent juste le meilleur choix pour toi. Même s'ils ne savent pas ce que c'est, tu ne peux pas les blâmer. Et je suis sûre d'une chose. Ils sont fiers de toi. Debbie, tous ces hommes qui sont venus demander ma main en mariage, je n'avais aucun sentiment pour eux. Je n'ai pas envie d'avoir l'air égoïste, mais si l'un de ces hommes m'avait épousé, je n'aurais pas été heureuse. Ma puce, tu es comme tu es. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Veuillez me pardonner. Je ne sais pas à quoi je pensais quand je prenais une telle décision. Je suis désolée. C'est une décision très idiote et égoïste, Geneviève. Hein? Tu l'as fait parce que tu ne pensais qu'à toi-même. Je suis désolée, papa. J'ai mal agi. J'ai juste pensé à comment me sortir d'une situation difficile. Quelle situation difficile? Qu'un prétendant vient te demander un mariage? Tiff. Elle reste notre fille. Pardonnons-lui. S'il te plaît, papa. Pardonne-moi. J'ai appelé Bright et... il tient toujours à m'épouser. Et j'ai également mis mes parts de la boîte en vente. Je promets de trouver un boulot décent. S'il te plaît. Lève-toi et assieds-toi. Maintenant, dis-moi la vérité. Es-tu prête à épouser Bright? Oui, papa. Tu es sûre? Oui. Monsieur, je... J'étais très content après avoir reçu l'appel de Geneviève. Et je vais vous faire une confession. J'aime votre fille. Je l'aime vraiment. Je suis prêt à lui pardonner pour tout ce qu'elle m'a fait. Ok. Alors ça ne te dérange pas que ma fille se soit déjà mariée? Non. Qu'en est-il de ta famille? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Sincèrement, mes parents ne sont pas contents de moi. Ils ne voudraient surtout pas que j'épouse une femme de seconde main. Non. Ma fille n'est pas une seconde main, ok? Je suis désolé, peut-être que je me suis mal fait comprendre. C'est qu'ils voudraient que je me marie avec une jeune femme. Une jeune femme toute fraîche. Mais je suis un grand garçon. Je suis assez vieux pour savoir qui je veux comme épouse, et c'est Geneviève. Bien, Geneviève et toi, vous êtes entendus avant de venir me voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. En fait, elle a cessé d'aller en boîte. Je sais. Monsieur, je suis prêt. Je serai même prêt à faire la dot maintenant. Bright, j'adorerais être ton beau-père, ok? Oui, monsieur. Mais tu dois t'accorder avec Geneviève. Et aussitôt que tu t'es accordé avec elle, tu pourras venir avec ta famille sans problème.
Mon fils, quel est ton problème? Rien, maman, je veux juste marier Geneviève. Je croyais qu'on avait tourné cette page, pourquoi repars-tu vers elle? Geneviève est tout ce dont j'ai besoin, comme femme. Cette femme de deuxième main, est-ce vraiment ce que tu veux chez une femme? Maman, est-ce que c'est à cause de ce travail au club que tu penses que Geneviève est une femme de seconde zone? Et si c'était le cas, alors j'ai parlé avec elle. Et elle est prête à abandonner. Tu es heureuse maintenant? Est-ce vraiment ce que tu veux comme épouse? Une pute restera toujours une pute. Et une prostituée restera toujours une prostituée. Maman, je ne te permettrai pas de traiter Geneviève de la sorte. C'est de ma femme qu'on parle là. Et ta future épouse, mon œil, regarde-moi bien dans les yeux. Tu n'épouseras pas cette fille. Maman, je suis ici pour que tu saches que bientôt je rencontre ses parents. Je suis désolée et tu devras faire avec. Tu es mon fils et je t'attendrai ici. C'est ce qu'on fera. Alors, comment est-ce que ça fait d'aller la nuit au lit, au lieu d'être en route pour le boulot? Bizarre. La boîte me manque tellement. La musique forte, les clients dingues, et surtout, l'alcool. Non. Alors, tu crois que tu y retourneras un jour? Je ne sais pas. Ma vie avec Bright sera différente de celle qu'elle est maintenant. Donc, tu vas vraiment épouser Bright? Oui, je le ferai. Je pense qu'il est temps de faire face à la réalité. Et toi dans tout ça? Ça va aller. Tu as fini par tomber amoureuse de ton mari, pas vrai? C'est vrai. Oui. Dans ce cas, je pense que je suis très chanceuse d'épouser Bright. Il m'aime et je suis sûre qu'il me traitera bien. Merci pour le jus. Alors, je viendrai samedi rencontrer tes parents avec les miens. Ok. Tu n'as pas l'air heureuse. Voyons, j'ai accepté de t'épouser. Souris un peu. Alors, je pourrais savoir ce que tu bois? Café. Ah, attends, j'espère que ça ne va pas te rendre stérile. Pardon? Et écoute, bébé, c'est pas ce que je voulais dire. Bébé, tu te fâches pour des futilités. Mes parents se plaignent déjà à propos de ton âge, tu comprends? Non, bébé, ne le prends pas ainsi, ne rentre pas dans cet état. Ne te fâche pas, d'accord? Je veux juste... Je suis désolé. On ne peut pas se permettre d'être comme ça tout le temps. Tu sais que tu deviendras mon épouse bientôt. Je ne veux rien qui viendrait. Ok, c'est bon. Je suis désolée. Oh.
Tu n'es pas encore prête? Ils t'attendent déjà. J'ai presque terminé. Allons-y. Geneviève, je vais commencer par dire désolé pour tout ce qui est arrivé. Je te demande pardon. Sais-tu pourquoi je n'arrivais pas à partir de chez toi? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que je t'aime, Geneviève. Je t'aime tellement et je ne pouvais simplement pas me voir vivre sans toi. Je sais que tu peux être têtu, tu peux être méprisante, tu peux être condescendante, mais tu es l'une des rares femmes fortes et incroyablement belles. Et par-dessus tout, Geneviève, tu es mon porte-bonheur. Oui. Oh, je suis désolé. Écoute, ce jour où je t'ai rencontré, j'étais bizarre. Et j'étais super fauché. Mais quand je t'ai vu, j'ai su que je devais te parler. C'était genre, non, je dois parler à cette très belle dame. Et quand je suis venu vers toi, tu m'as invité à dîner. Je veux dire, tu as payé pour notre dîner. Geneviève, c'est comme si à tout moment, tu sais de quoi j'ai vraiment besoin. Comment pourrais-je vivre sans toi? Geneviève, tu m'as tellement manqué et je t'aime énormément. Tu m'as également manqué et je t'aime tellement. Ah, ça. Geneviève. De grâce, faites-moi l'homme le plus heureux de la Terre. Épouse-moi, Geneviève. Laisse-moi te rendre si heureuse que tu l'as fait pour moi. De grâce, mon amour. Épouse-moi. Oui, j'accepte. Elle a dit oui. Hey. Oui, bien la bébé. Alléluia. Elle a dit oui. Ah, félicitations, ma fille. Hey, donc, je vais coudre mon peigne. Alléluia. Félicitations, merci, monsieur. Et bienvenue dans la famille. Alléluia. Merci infiniment. Heureux de vous accueillir. Ouais. Mon fils, bienvenue. Ma fille adorée. Merci, merci, papa. Merci, maman.